Hey, c'est YouTube. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Plaesdo. Et aujourd'hui, on va s'attaquer, pour le moment, à la dernière, au dernier enclos de cet endroit-là. Après avoir fait les rhinos, eh bien, on va s'attaquer ici plutôt à des animaux aquatiques. Enfin, un animal aquatique, parce que je crois que j'en ai qu'un de disponible. Comment j'ai accès au... Là, aux OPD. Parce qu'après, en vrai... ici, ce que je veux mettre, c'est plutôt les otaries. Mais après, je crois pas que j'ai d'autres animaux aquatiques, en fait. Enfin, je crois pas. C'est hippopotame, hyène, iguane, jaguar. Ça serait plutôt pour d'autres côtés. Lama. Ah si, après, on peut aussi mettre des loutres. C'est pas impossible. Des manchots aussi. Les deux types de manchots. C'est possible de mettre. Nous on va partir plutôt sur des otaries de Californie. Ouais, je sais. Mais je crois qu'après... Je crois qu'après on aura tout fait. Après, beaucoup plus loin, on pourra partir sur peut-être sur un renard polaire. Mais je crois que c'est tout. Hein. Je crois que là après on aura fait le tour. Ouais, on aura fait plutôt le tour. Alors... Ouais, eux ils vivent avec personne. Alors, 5 mâles et 15 femelles. Et bah, les donc. Et bah, les donc. Alors là, oui, pour l'instant, j'ai des alertes rouges. Normalement, j'ai mon soigneur qui. Ouais, qui est en train de gérer la situation. J'ai deux soigneurs. J'ai assigné deux soigneurs en fait pour ces enclos-là. On va voir ce que ça donne. Hop. Pour l'instant, c'est en train d'être géré. Parce que de toute façon, je peux pas l'appeler. Il est déjà en urgence dessus donc. C'est vrai que l'eau elle est dégueulasse en fait. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que mon purificateur d'eau là-bas ne fonctionne pas. Attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pouvoir en remettre un ici en attendant. Attends. Hop, service. Service traitement des eaux. Alors c'est vachement pratique. Hein. Attendez. Hop. Peut-être le décaler un petit peu. Alors est-ce qu'il va vouloir. Est-ce qu'il va vouloir se prendre ici? Ouais. Presque. Hein. Ouais. Ouais, au pire. Il y a peut-être un choix trop. Non. Ah, au pire, je peux le laisser comme ça, c'est pas un souci. Ou alors je le recule un peu comme ça là. Il est à moitié dans le. Non, on va voir ce que ça donne. Ouais, il est à moitié. Je pense que ça s'est passé avec la honte, mais. Ok. Mais bon. Au moins ça va traiter l'eau qui est là, donc nickel. Du coup oui, j'ai un peu modifié la structure, j'ai mis un petit arbre. D'ailleurs le petit arbre, j'aurais pu peut-être le décaler un petit chouïa sur la droite là. Hop. Ok. Hop. On a mis un peu de végétation en haut. Ça appartient pas à l'enclos, donc ça influe pas sur les animaux. Là j'ai juste agrandi là. Un peu le lot. Parce qu'en fait, l'eau qui était là était pas... purifié, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Propreté de l'eau. Hein. Parce qu'en fait, le bâtiment qui est là qui purifie l'eau, elle est pas jusqu'à là-bas, je ne sais pas pourquoi. Et bien, en faisant le petit canal, vu que là, ça arrivait à être purifié, et ben en fait, le petit, ça permet de nettoyer tout l'eau directement. Voilà, voilà. Et du coup, nous, on va s'occuper en fait de la zone ici. Le problème, c'est que faut que je réfléchisse à comment je vais faire. Que les otaries, forcément, attendez, faut que je rouvre mon zoopédie. La zone qu'il leur faut, est-ce qu'il... Normalement, c'est indiqué. Là. Oh, il leur faut pas beaucoup d'eau. Ouais, mais là, c'est pour un seul adulte. C'est par exemple, on part sur... je crois que c'était jusqu'à 15, c'est ça? Ouais, allez, 20. 20 max. Il leur faut quand même une grosse zone d'eau. Donc, ce qu'on peut faire en vrai... Alors déjà, je pense qu'on va commencer à creuser. On va plutôt partir ici. Alors, ouais. On aurait pu essayer de faire un truc plutôt. Qu'ils aient accès en fait à la zone aquatique, mais je vous avoue que. J'avoue que j'ai encore jamais tenté.
Par contre, attendez, je vais peut-être agrandir un peu la zone parce que je vais leur faire une grande zone. Voilà. Voilà. Toute là, une zone d'eau là. Hop. Alors, le truc, c'est que je sais pas à combien ça correspond en mètre carré là. Hein. Enfin, en mètre cube. Je sais pas si c'est en mètre cube ou en mètre carré. Voilà. Parce que là, l'enclos, tu sais, on fait genre comme ça. Pas besoin de faire un truc très très grand non plus. Le problème que j'ai, c'est que je fais des enclos beaucoup trop grands en fait à chaque fois. Hop. Ok. Comment ça? Bon, pas grave. Bah, raconte pas ta vie, toi. Hop, alors c'est pas lui, c'est lui. Ah ouais, mais je peux pas. Collecte, hein. Waouh, trop bien! Et avec ça, je vais acheter tellement d'animaux! Waouh! du coup, terrain, eau. Ah, ça fait plutôt une grosse zone d'eau, c'est cool. Après, ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être faire un tout petit îlot. Petite forme, alors c'est pas ça. Est-ce que. Attends. Je vais partir sur un truc comme ça, repasser comme ça. Non, comme ça, je repasse juste derrière, hop. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ouais, pas assez large à l'arrière, je trouve. En fait, là, je pense que là, on va péter ça et après, on va le péter. On va mettre un chemin visitable. Pour les touristes. Hop. Hop. Ok. Ok, ok. Alors, attends. Terrain. Hop. Merde, je trouve que j'ai un peu abusé là, non? En fait, mon truc était trop large. J'ai pas fait gaffe. Hop. Ok. Là, normalement, on devrait être bon. Ouais, voilà. On est plutôt sur quelque chose de propre là. Hop. Alors, on va partir sur terrain. Ouais, attendez. Le problème, c'est qu'après, il n'y a pas une énorme zone de terre en fait. En fait, attendez, je vais faire autrement. On va partir comme ça. Je pense qu'en fait. Attendez, je vais réaplanir. Je pense qu'il vaut mieux que je fasse le terrain avant. Et après que je creuse. Alors, là, je pense que je suis en train de faire l'inverse que ce que je devrais faire. Attendez. Je vais mettre du vert basique. Basique, on va le commencer genre comme ça. Attendez, on va partir comme ça. Oula. Très long celui-là. D'ailleurs, même un peu trop long à mon avis. Ouais. Non, vas-y, on va partir comme ça, t'as raison. Hop. Hop, on va partir comme ça. C'est pas évident de suivre la courbe, j'ai l'impression de la. Attends. Après c'est peut-être. Ce qui fait cet effet là, c'est peut-être le fait qu'en fait je fasse un truc trop large aussi. Enfin trop long. Pour pouvoir suivre correctement. Mais tu vois, ça me plaît pas en fait, parce que là je le suis pas en fait. Attends. En fait, je suis en train de m'en éloigner en fait, j'ai l'impression. Hop. Hop. J'ai l'impression qu'il donne des courbes bizarres. Regarde, sans celui-là, il a donné une courbe bizarre, on est d'accord. Hop. Hop. Voilà, là on est beau là. Par contre, mes souvenirs, hein, au bout d'un moment, ils vont aller nettoyer les enclos ou. Ça les emmerde d'aller travailler. Non, je sais pas, hein. T'as quand même deux soigneurs pour un seul enclos. Enfin, pour trois enclos. Ça va me dire qu'ils arrivent pas à bosser. Ce que je peux faire là, c'est peut-être le courber un peu. Hop. Ah non, trop. Trop. Hop. Voilà.
Là, après, on va peut-être partir sur un truc droit directement. Hop, on va le suivre. Ouais. Mais tu vois, ça fait dégueulasse en fait. Si tu pars sur un truc assez long directement, hop. Peut-être plus c'est long, plus c'est droit quoi. Ok. En fait, je prévois parce que si par exemple j'en mets, comme on a dit, une petite vingtaine, je vais pas en acheter 20, mais ils vont forcément se reproduire à un moment ou un autre. Forcément, je voudrais bien que, qu'ils aient assez d'espace, tu vois. Hop. Mais ça veut dire que là, sur lequel qu'on va partir, sur celui-là. Putain, mais il est en train de construire derrière ce con. Hop. Merde, il a pété la vitre, c'est pas grave. Hop. Le dernier, je peux peut-être le partir quand même sur une vitre. Ça gêne pas, tant que ça. Hop. Voilà, là on part sur un bout de béton. Hop. Alors, est-ce que je le suis un peu? Hop. Ouais. J'ai envie de partir sur une forme un peu comme ça, là. Je sais toujours pas ce que je vais mettre là, hein, par contre. Hein. Là, pour l'instant, c'est encore un très grand mystère. Attends. Que l'idée est bonne. Mais la réalisation finale ne me plaît pas forcément pour l'instant. Hop. 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 On va plus partir comme ça, comme ça. Là, je repars. Hop, lâche ça sur du verre. Hop. Ok. Je fais ça, ça. On n'est pas trop mal. Hop là. Très bien. Ok. Normalement, il a fini les recherches sur les maladies. Ça, c'est cool. Ce que je peux faire, c'est faire une recherche sur les... Peut-être pas toi du coup, peut-être plus toi. Ok. Social, espace, zone critique de surpopulation. Abri solide. Ouais, abri solide, il se fout de ma gueule parce que j'en ai rajouté un là, que vous avez pas vu. Il va dire un là. Attendez. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que... Après, je peux prendre les jeunes. Bah, après, ils sont pas. En fait, je comprends pas pourquoi ils me disent surpopulation là, qu'ils sont pas énormes en fait. Ah, mais c'est parce que lui, je crois que je l'ai bloqué dedans en fait. Attends. Et vu que j'ai déplacé. J'ai un peu déplacé les trucs pour que. Pour que le soigneur puisse rentrer en fait. Ah, c'est bon, tu passes là. Ah, parce que pour eux, ils peuvent plus passer là, je crois. Ah si, parce qu'ils peuvent passer là en fait. Là, je comprends pas. C'est bon? Ah c'est bon, tout est repassé dans le verre, ok. Et c'est pour ça qu'ils donnaient pas à manger parce qu'en fait la gamelle, je l'ai modifiée, je l'ai mise là. Parce qu'en fait j'ai déplacé l'entrée. Attends, bah tu prends d'urgence mon petit pote. Parce que normalement je pense en fait qu'ils ont envie de manger aussi, c'est pour ça. Ok, c'était une erreur de ma part, c'est en déplaçant un peu le rocher que ça a foutu la merde. Ok. Ça sera pour la prochaine fois. Alors, ce qu'on peut faire c'est... Normalement de toute façon ça va pas trop creuser vu qu'on est assez proche du bord. Ouais, ce qu'on peut faire c'est faire tac, ici. Et ils veulent plus vivre dans l'eau donc forcément faut qu'on leur mette une grosse zone d'eau. Je pense, l'endroit pour dormir, on va plutôt le faire ici. Hop. On va partir plus sur un truc comme ça, hop. Je sais pas si par exemple, si après je clique sur l'enclos, ça me dit la taille en fait de ce que je fais. J'avoue que je ne sais pas du tout. On va regarder ça. J'ai pas envie d'entrer en fait. C'est beau. L'entrée, je peux peut-être la faire ici. En attendant. Clôture, porte.
Ok, et là du coup ça me dit quoi? Ouais, non, on est bon. 2800 sur 2004, on était sur combien nous? On va dire sur on patte en 120. Bon bah l'argent. Ouais, bon, on est très large. On est très large. Mais il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est qu'en fait j'aime pas trop la forme que ça a donné là. J'avais voulu donner un aspect plus tu vois, hop, comme ça là. Hop. Je pense que ça donne si je remets l'eau là. Ouais, moi ça me plaît là. On est sur quelque chose de plutôt satisfaisant à mon goût. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais faire l'aller. Je vais le remplacer avec toi. Ah, alors, si je fais des petits bouts par petits bouts, ça va être un peu long. Ouais, c'était même pas accordé là. Bon, c'est pas grave, je vais même pas là. Ah, quoi que si, je vais quand même le raccorder parce que sinon. Le seigneur, là, il va devoir s'appeler tout le temps pour revenir jusqu'ici. Hop, je vais faire afficher sur la grille. Hop, je vais enlever ça. C'est très limite. Très limite la porte. Employé. Est-ce qu'il va vouloir me connecter? Voilà. On est plutôt bien. Après, il faut juste que je m'occupe ici d'une zone peut-être restauration toilette. Parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui manque ici. Par restauration, j'en ai là, mais je sais qu'ici ils se plaignent beaucoup de ça en fait. Comment je peux voir les services? Attends. Zone traversable, non. Bâtiment. Sécurité. Besoin des visiteurs. Satisfaction. Énergie. Pas pour l'énergie, à mon avis, je mets juste des bancs, ça devrait aller. Faim. Ouais, faim. Soif. Tu vois, t'as beaucoup de monde qui ont soif. Alors que pourtant, normalement, t'as un magasin là, mais c'est pas grave. Toilette. Tu vois, les toilettes aussi, ils en ont besoin. Et éducation. Éducation, en vrai, ça va, on est bien. Hop, qu'est-ce qu'il a lui? N'a pas de centre de recherche, ok, très bien. Je vais juste raccorder la route qui est là. Qu'on soit bien. Voilà. Et là, vu que j'ai tout, j'ai le truc vétérinaire et tout ça, le mec il aura juste à faire tac-tac, il sera directement. Derrière, je vais peut-être même créer directement la zone maintenant, zone de travail, créer une nouvelle zone. Ça va faire tac. Bon, je vais prendre tous les trucs qui est là parce que je ne sais pas en fait de quel c'est exactement. Là, on va mettre. Je change, je clique pas là. Parce que je vois là. Animaux. Aquatique. Ok. Ok. Je vais prendre un petit soigneur de type soigneur. Alors non, c'était pas du tout ça que je voulais faire pour l'instant. Un soigneur, hop. Hop, et toi tu vas t'occuper de la zone animaux aquatiques. Voilà. Très bien. On est sur quelque chose d'assez propre pour l'instant. Du coup, bah je pense que là je peux appeler. Enfin appeler. Je peux faire venir directement les animaux. Marcher. Il y a des mâles qui sont pas trop mal notés là. On va peut-être plus prendre Jacob. 1002, ça me pose pas de problème. Un mâle. Un mâle. Est-ce qu'il y a des femelles qui sont bien notées là? Pas trop. 5009, en haut ils étaient à combien? Attends, je vais peut-être les trier par. Voilà, 6000, voilà. Voilà, donc j'ai buté, mais c'est pas grave, ça coûte pas trop cher. On va mettre une femelle. Lui, c'est avec de l'argent que ça se paye. Ouais, vas-y, la semaine. Pourquoi un tag, elle est petite? Je ne sais pas où. Ouais, vas-y. Vas-y, on va faire deux femelles.
Vas-y, 3 femelles. Vas-y, je vais en mettre 5 de femelles. Comme ça, il va se reproduire avec les 5. Quatre... Normalement, avec 5 femelles, il devrait pas se reproduire avec les 5, je pense. Je vais attendre peut-être que de nouveaux stocks se proposent. Je vais juste mettre en speed vite fait pour que le premier arrive là. Pour qu'on puisse un peu créer. Laisser libre cours à notre imagination. Ok, Bobby. On va s'occuper. T'as un peu trop d'herbe longue. Je vais te mettre du sable, effectivement. Vas-y, on va te mettre un. Bon. Hop. Je vais juste baisser un peu ça. Hop. Voilà. Alors, on va faire un contour en ensemble. Hop. Un sable un peu grossier. Hop. Hop. Enfin, même là, un petit tour comme ça, grossier quand même. Hop. Alors, repartir sur un peu de sable. De la terre. Ah, tu veux quand même un peu de terre? Alors, je sais pas pourquoi il me dit que la terre lourde est en DLC. Hop. Je préfère, ouais, c'est partir comme ça. Un peu de terre légère, comme ça. Et ils arrivent, ils pleutent, c'est incroyable. Voilà, on remet un peu de la terre grossière. Parce que j'ai pratiquement tout fait, il me dit quand même qu'il y a encore de la terre, enfin de la... comment ça s'appelle? De l'herbe. Ouais, bon, on est plutôt bien là. Ah si, un peu là. Mais là, je vais mettre peut-être la terre un peu, hop. Ouais, pas trop fan. Quand même plus mettre du sable quand même. Hop. C'était sapin plus grossier. Ok, là on est bon. Ah, ça attire mes petites otaries, hein. Climat tempéré et aquatique. Qu'est-ce que tu me proposes en arbre? Ouais. Je le vois bien avec des petits palmiers. Dégueulasse. Je sais pas si les palmiers font partie. Ah. Peu petit, hein. Peu dégueulasse, hein. Peu petit, hein. Ah, pas des palmiers un peu plus imposants? Ouais. Non, y a pas de palmiers là. Enfin, il y a des trucs pas trop mal. Attends, normalement les gros palmiers. Je crois que ça commence par des A, non? Acacia. Non. Je crois que c'est ça s'appelait des acaïs, je crois. Mais je crois qu'il doit pas y en avoir ici. Non. Parce que ça, c'est trop petit, ça. Ça, c'est sympa, mais c'est un peu petit, tu vois ce que je veux dire? On va mettre des mini-arbres aussi. Pas abusé non plus. Ouais. Bon, attends. Avant, on va peut-être passer plutôt sur tout ce qui est cailloux. Hop. Hop là. On va mettre ça un petit peu sur le bord. Hop. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais créer des petites rotations. Comme ça. Hop. On va garder un alignement comme ça. Hop. Par contre, il me faudra une autre taille de caillou là. Il est un peu trop petit celui-là. En fait, il n'y a que des cailloux minuscules ici là. Pourquoi ces cailloux nuls? Ah, mais celui-là il est trop gros et il a des formes qui me plaisent pas forcément, tu vois. Oui! C'est vrai que du coup, attends, ils ont rien de pop. Merde. Ça l'a posé, je crois. Ok, attends. Pour l'instant, je vais laisser comme ça parce que forcément, pour l'instant, ils ont rien de. Ils ont rien de posé, les pauvres.
Je vais leur poser un truc de bouffe. Alors déjà on n'est pas sur les Epona, on est sur les Otari. L'espèce, alors les O. Otari de Californie. Ouais, alors ça vit comment? Ça vit au-dessus, en dessous? Ouais, là j'arrive pas à comprendre en fait si ça vit au-dessus ou en dessous du truc là. Je pense que ça doit vivre en dessous. Est-ce que je leur mettrais pas un genre comme ça? Est-ce que ça rentrerait pas trop bien? Bah c'est éclairé, c'est nul que ça soit éclairé, ça fait pas réaliste. Alors comme ça, si je le descends un peu pour qu'il soit un peu enterré là comme ça, hop. Ouais. Au final, ça me dit pas s'ils vivent au-dessus ou en dessous. en soi, ça fait quand même partie de leur abri, quoi. Mais et pour l'instant, je vais leur créer peut-être une zone là pour dormir. Ok. Ok, ouais, en abri, ils ont rien du tout. Là, c'est juste ces trucs pour dormir. Je vais laisser ça pour l'instant. Ah, bah sinon, j'avais directement une petite jetée comme ça là. Alors, est-ce que ça fait bien si je fais un truc comme ça ou ici? Ok! Attends, juste enlever ça. Hop! Vas-y, je vais le dupliquer en comme ça sera 10 fois plus simple. Putain, j'ai oublié d'enlever les. Hop! Ok! Hop! Voilà. Peut-être qu'ils vont apprécier, je sais pas. Ils nous diront. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme bien-être espace? Pas une critique de surpopulation. Ouais, je verrai ça plus tard, mon petit pote. Désolé, je suis en train de. Qualité du dernier repas, ouais, mais attends, parce que là, techniquement, t'as pas de repas là. Attends, juste regarder tes optimisations aussi. Habitat, tout ce qui est nourriture. Après, nourriture, on peut les mettre là au bord. Hein. Ça me dérange pas plus que ça. Après, je me demande s'il faut pas que je lisse un peu pour qu'ils puissent monter, mais je pense que ça devrait aller en fait, parce qu'il faut aussi passer par là. Nourriture. Le point d'eau, on va le caler là, je pense. Hop, et le mangeoire plateau, on va mettre en grand. On va le mettre ici. Optimisation, on va mettre un petit cube gelé là. Ça, c'est un jet d'eau. Ouais, le jet d'eau, c'est con, on peut le mettre au milieu. Ça leur fera plaisir. Tac. Ça, je peux essayer de le mettre, mais je garantis pas que quelqu'un puisse le remplir. Parce qu'à chaque fois, je sais pas, à chaque fois, mes soigneurs ne le remplissent pas, donc je sais pas. Accessible. On va voir si ça se remplit, mais j'en doute. Hein. Ça, c'est un des trucs que j'ai pas compris encore. On peut leur mettre des jouets. Et on va en mettre un là. Chute dans la structure. Eh, hey, genre, est-ce que je peux pas leur mettre dans l'eau là? On va faire bien là. Attends, hop. Je pars genre sur un truc comme ça. Comment ça, ça se voit pas trop que c'est un peu en lévitation. Niveau optimisation, ils sont plutôt bien. Là, tout est bien rempli, on est plutôt bien. Ok. Les recherches vétérinaires sont terminées, très bien. Ouais, pour l'instant, les tortues, on va continuer. Ok, est-ce que ça manque? Ça manque deux cailloux. Parce que là, en fait, peut-être tout le tour, mettre des cailloux et après mettre un peu plus de végétation. Parce que là, en fait, il n'y a aucune végétation, ça fait dégueulasse. nature. Arbre. Mais je sais toujours pas quel arbre je vais mettre, en fait. Attends. Il faut qu'elle me dise si elle kiffe les arbres que je mets là. Mais les bambous, ça me.
Et ça me plaît pas les bambous là. Bon, je peux partir sans ça, non? Ouais, elle aime bien. Allez, vas-y, je te mets ça. Hop. C'est énorme ça. Côté de la porte d'entrée là, comme ça. Tic. Après, faut que je fasse gaffe à ce que je mets parce que je vois que. Non, pas avec des fleurs, j'aime pas. Voilà, comme ça là, hop. Faut que je fasse gaffe parce qu'après de la porte, tu vas peut-être pas apprécier. Hop. Cette végétation. Voilà. On est pas trop mal. Ah, ça survole un peu là. Je vais le redescendre. Hop. Non. 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 Il a du mal à tenir sur la terre là. Ok, je vais juste le descendre un petit peu. Et visuellement, c'est un peu dérangeant pour moi. Hop. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à placer les petits cailloux là. De façon sympatoche. Non. Oh ouais. Oh. Ouh, j'aime bien. J'aime bien cette initiative. Hop. Bah pas le problème, c'est que ouais. Je peux partir sur tout le monde comme ça, ça me pose pas de problème moi. Je vais peut-être pas mettre le même à chaque fois. Oh voilà. Oh celui-là il est pas trop mal là. Un petit angle là. Voilà, regarde. Comme ça, hop. Non, alors c'est pas ça que je voulais. Hop. Alors vous aimez le bruit de la nature? Hop. Voilà. Un peu de cailloux. Pas dans le jeu. Oh ouais. Oh, j'aime bien. Oh ouais. Ouais. Est-ce que je lui donnerais pas une orientation un peu plus hop. 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 Ah, il me plaît lui. Il me plaît ce caillou. Alors, j'ai l'impression d'avoir le même mais en version gros là. Hop. Ouais. Comme ça après en mettant aussi un peu de végétation autour. Il pourrait rendre un peu cool. Hop. Hop. Non, il me plaît pas celui-là. Il me plaît pas ce caillou. Hop. Alors moi c'est le vert qu'il me faut. Je vais faire tac. Tac. On descend un peu. On va te rentrer dans celui-là. Hop. Voilà. Caillou suivant. Non, pas toi. Non, par contre, les petits cailloux, c'est bien mignon, mais faudrait... Oula. Le gros, lui. Le gros, ouais. Ouais, un peu gros, mais... En fait, ouais, pas forcément du bon sens aussi, après. Hein. Attention. Hein. Si je le tourne un peu comme ça... Ouais. Dommage qu'on puisse pas mettre des requins. Je crois même pas que ça existe dans un zoo des requins. Je suis pas sûr, mais. M'avancerai pas en vous disant ça, mais je crois pas. Ah, si, il existe des zoos avec des requins. Enfin, c'est plutôt des trucs exprès, je pense, mais ouais. Ah, ouais. Ça doit exister normalement. Ouais, alors là, vu que je suis pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tac. Je vais essayer de combler un peu là. Ouais, je vais combler avec ce gros caillou là. Regarde. Hop. Yes. Là, on est bon là. J'ai juste à redéplacer un petit peu celui-là à droite. Hop. Voilà.
Après, c'est juste à moi de, je pense, de lisser un petit peu. Vous pouvez faire un bruit quand vous nagez là? Merci. Hop. Là, je lisse un peu. Ah, mais ça lisse pas du tout en fait. C'est juste en train de transformer ma. J'ai remis du sable. Désolé. Je vais remettre un peu de terre derrière. Mais oui, qu'il est mignon. Ah, parce que le problème, c'est qu'ici, en fait, vu que ça n'a pas été lissé, sinon, faut que je renlève l'eau pour lisser, mais. Un peu une flemme, là. Bon, attends. Que lui, il se plaint. J'aime pas quand ça se plaint. Putain, il est où l'entrée du truc, là? Il est là. Hop. Surpopulation 1, 2, 3. Ouais, alors, déjà, j'ai trop de mal. Je vais vendre aussi les jeunes. Le problème, c'est que les jeunes, je peux pas les vendre, je suis obligé d'attendre qu'ils. Obligé d'attendre qu'ils grandissent un peu. Moi aussi, je vais te vendre derrière, tiens. Je vais passer ça sur l'échange, hop. J'ai un mâle, trois femelles. Ouais, ça devrait aller. Et c'est fou parce qu'ils ont un si grand enclos, ils splinent de la place. Bizarre. Bizarre. Alors, vu que vous restez là, je vais vous. En même temps, vous formez là-dessus. Hop. Normalement, là, je dois avoir de l'électricité, tiens. Avec tout ce que j'ai à côté, normalement. Merde, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Hop. Ouais. Ah, les manifestants, on va aller plus loin, mais alors, j'en direct. Tous mes animaux sont heureux, vous vous calmez. Faudra que je vérifie quand même au niveau de mes animaux, mes crocodiles et tout ça, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été faire un tour chez eux. Et ouais, je sais pas comment ça se passe chez eux pour l'instant. Ok. Par contre, il y a moins que le son là, il. Ouais. Ouais, c'était un peu le souci que j'avais là. Du coup, je vais le déplacer. Je vais se déplacer là où il n'y a rien. Voilà. Hop, on tourne un petit peu. Hop là. Ça me permet juste de voir s'il est bien posé au sol. On va savoir. Hop là. Je vais peut-être augmenter juste le volume. Voilà. Pas plus que ça. Là, j'en ai un là que je vais supprimer parce que je suis pas comme ça. Hop là. Là, on a un panneau d'information là. On peut en remettre un de l'autre côté après. Peut-être ici. Parce que je pense pas qu'ici il y ait quelque chose. Je pense pas qu'il y en ait ici aussi. Panneau d'information. Ah bah si, attends. Non, ça va, il est assez loin. Hop. Hop là. On va le mettre comme ça. Hop. Voilà, nickel. Ok. Là, pareil, on met Otari. Bon, bah, la zone là, je peux l'augmenter. Hein. Ouais, je peux le mettre à fond, patin. Hop. Petite formation. Voilà. Là, je vais juste finir mes petits cailloux. Ah, mes petits cailloux. Ouais. Je sais pas dans quel sens se mettre comme ça. En vrai là, vu que ça va jusqu'en haut, ouais, ça me va bien. Le problème c'est que je vais pas mettre un soin le même aussi, tu vois. Non, mauvaise touche. Hop. J'essaie de vraiment de mettre les surfaces plates direct. Pour essayer de gagner un peu. Non, en vrai, ça va. J'ai connu pire. Moi, je vais quand même lui donner une rotation aléatoire à chaque fois. Pour essayer de.
essayer un peu d'avoir des choses différentes à chaque fois. Alors, regarde, là on va commencer en comme ça. Par contre, faudrait que tu me passes un caillou plus gros, gros. Sinon là demain j'y suis encore, vraiment. Hop. Ouais. Là, tu vois tout de suite, j'aime un peu plus le rendu. Ah, par contre, je vais peut-être se coller là-bas parce que. Non! Oh, il l'a validé. Oh là là. Ah, des fois, ça fait des doubles clics sans le faire exprès là. Non, après le truc, je peux le laisser parce que ça me permet de mettre des plantes en fait. Je dis pas forcément non. Hop, après ce que je peux faire c'est... Hop. J'ai eu de la chance parce qu'ils ont arrêté de manifester au moment où l'inspectrice s'est barrée. Peu de chance. Ouais, bah maintenant que je veux des petits ça me donne que des gros. Ok. Ok, ok, je comprends. Hop. Ouais, il y a juste là où ça me pose un peu de soucis en fait. Je trouve pas que ça fasse nickel. Alors ouais, merci. Hop. Donne-moi un autre caillou là, parce que j'aime pas la forme qu'il a là. Hop. Ouais, le problème c'est que lui il est trop gros. Ah quoique. Oh quoique. Il est travaillable, il est travaillable. Ça va. Et si je le mets genre là. Hop, je reviens un peu comme ça. Ah en fait, après avec les plantations, je pense qu'on peut essayer d'avoir un truc propre après. Hop. Je pense que là on n'est pas trop mal pour le moment. C'est juste que j'arrive à trouver des belles plantes. Faut que j'enlève la rotation, sinon ça me fait un truc dégueulasse à chaque fois. Ouais non tu vois, regarde, si je passe sans ça par exemple. Hop. Non, hop. Hop. Voilà, là j'aime bien là. Ouais. Là, hop. Pas besoin de mettre des grosses à chaque fois, tu vois. Ah, c'est vrai qu'il fait vraiment petit, celui que j'ai mis. Hop. Oh, mais on va lui mettre un petit copain. Hop. Bah, après, au niveau des arbres, en fait, il y a des trucs, c'est un peu plus intéressant quand même. Tu vois des petits trucs comme ça là, ça peut être sympa ça. Pas du tout en fait. Joranus que j'ai dit. Peut-être plus celui-là. Celui-là en partant un peu sur des trucs comme ça là. J'étais sur lequel sur celui-là? Attends, il y en a peut-être d'autres. Un peu gros hein. Alors, après c'est un peu trop épais. Le problème c'est que vu que je suis pas sur une surface qui est super plate, et bah ça rend un rendu assez bizarre quand même. Tac. Ok. C'est vrai que dans les arbres j'ai rien qui me plaît réellement. Je sais pas si ça va leur plaire ça. C'est dégueulasse ça. Ouais non laisse tomber. Laisse tomber. Faut que j'arrive à... Attends je vais essayer de reprendre les arbres que j'avais. Ah c'était plutôt dans ce style là. Ouais là on est plutôt... On a des fois qui échouent là. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est bien mais j'aurais voulu en un peu plus foncé en fait. Je le vois un peu trop clair. Oh, voilà, petit buisson là. Petit buisson.
Hop, hop. Hop, hop. Je vois rien. Voilà. Une fougère au milieu. En mettant peut-être une construction de... Yes. Hop. Hop. Tac. Voilà. On fait un peu de construction, hein. Faut bien, faut bien. Je sais pas ce qu'il a fait le collègue là. Merde, j'ai mis la fougère dans la dans le caillou. Bon, c'est pas grave. Hop là, et voilà. Alors, pas devant, ça fait un peu vide, effectivement. Effectivement, effectivement. Mais je pense que là, on a déjà une belle base pour cet épisode. Quantité de détritus élevée. Ah, mais ils font chier là, j'étais du coup acheter leurs ordures toutes les 2 secondes ici aussi là. Vous voulez des poubelles? Je vais vous mettre que ça des poubelles. Eh. On va mettre un là. Un là. Un là. Attends, je vais essayer de les centrer là. Hop. Un là. Un là. Un là. Voilà. Ça rapporte en vrai des agents d'entretien, j'en ai, mais j'en ai énorme en fait. Donc ils pourraient quand même ramasser au bout d'un moment. Alors les tortues géantes, c'est fini. Du coup, on va partir sur les phoques. Otari, pardon. Voilà, normalement. En plus, normalement, j'ai mis des nettoyeurs qui ont comme tâche de nettoyer, que nettoyer en fait les détritus et de vider les poubelles. Tu vois, ils ont rien d'autre à faire en fait dans le parc. Mais ils arrivent encore à pas le faire. Voilà, on est plutôt bien là, je trouve. Du coup, nous les petits potes, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Normalement, prochain épisode, on va peut-être se faire un safari ici. Ici, faire un enclos avec plusieurs types d'animaux à l'intérieur, ce qui pourrait être un peu plus sympa. Parce que là, tous les, en fait, tous les visiteurs sont au même endroit dans le parc, hein. Mais forcément, après, on va partir dans tout ce qui est safari, partir après sur les lions et tout ça. Et ici, plus en partant vers le milieu, je pense plus partir sur tout ce qui est macaque, animaux, tout ce qui est animaux grimpeurs, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais je me comprends. Et du coup, après, trouver une solution, peut-être faire un rond-point là, là. Enfin, j'appelle ça un rond-point, mais... Enfin, un rond-point qui... redistribue là et qui repart comme ça pour recentrer à peu près tout. Là, en vrai j'ai un restaurant qui fonctionne assez bien. Mes restaurants sont ici assez bien mais c'est vrai que c'est parce qu'en fait ils passent beaucoup dans la voilière. D'ailleurs un truc que vous savez pas c'est que j'en ai vendu 200 de chauves-souris parce qu'ils étaient, ils se vendaient pas automatiquement. Ils se mettaient tous dans le ils se mettaient tous dans le dans le truc d'échange. Ils se vendaient pas. Bon du coup maintenant je les ai tous vendus et j'ai réglé pour que ça se vende automatiquement. Mais j'en ai quand même 200 à vendre, c'est pour ça que j'ai eu autant d'oseilles en fait, parce que je crois que j'en ai vendu pour plus de 100 000. Après mes restants qui lancent là, je sais pas s'ils fonctionnent. Ah si, en vrai ça fonctionne bien. Ouais, j'ai l'impression d'avoir fait des allées qui sont pas assez larges, mais... Mais c'est vrai que là, par exemple, tu vois, j'ai pas assez de bancs. Là, par exemple, je pourrais mettre des bancs, en vrai. Service. On va commencer par mettre une poubelle à l'extrémité. Une poubelle là. Je vais mettre un banc. Voilà, après ce que je peux faire c'est le serrer là, le serrer là, le serrer là, le serrer là. Comme ça reste visible. Je sais pas si à cette distance c'est... J'ai l'impression que personne l'utilise. Mais voilà, comme ça. En vrai, ils ont quand même de quoi s'asseoir. Donc en fait, le fait qu'ils aient pas d'énergie, je comprends pas trop.
Les quantités détritus, qu'est-ce que je te dise, mec? Enfin, en fait, les gens, c'était dégueulasse. Hop. Et du coup, nous, les petits potes, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Et j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure. Et en attendant, je vais peut-être essayer de modifier un petit peu pour lui rendre un aspect un peu plus sympatoche sur les bords. Parce que c'est vrai que là, ça fait un peu triste, je trouve. Et du coup, je vous montrerai ça à la prochaine épisode. Allez, ciao tout le monde!